on se retrouve pour une petite vidéo, pour un petit haul que j'ai fait ce matin. Je devais aller dans un petit magasin pour vous, pour un petit concours qui se prépare. Et donc j'ai fait des petits achats en plus dans d'autres magasins où j'étais me promener. Donc déjà je suis passée chez Noz et il y avait des petits trucs assez sympas. Donc je me suis pris de la marque La Tisanière, une petite boisson à boire, comme un thé en fait. Action détox, purifie l'organisme en favorisant l'élimination des toxines. Hein, c'est un programme de 7 jours, 2 sticks par jour pendant 7 jours, donc voilà. C'est comme ceci, je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera plus simple, voilà. Et j'ai payé ça 1,99€, donc... Je vais regarder comment c'est. Je vais faire ça à partir de demain, je pense. Allez, on ouvre. Voilà. Donc, dedans, ce sont des petits sticks comme ça. Chicorée, menthe et pissenlit. Donc, c'est à mettre dans de l'eau, dans 200 ml d'eau, chaude ou froide, comme on veut. Donc, voilà. Donc, j'essaierai ça. Ça peut faire du bien pour préparer le corps à l'été et tout. C'est que positif. Ensuite, j'ai trouvé également, on va rester dans le... deux petits bijoux. Donc celui-là, je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc j'ai trouvé ce très joli petit bracelet. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé magnifique avec toutes ces petites fleurs. Donc voilà, au poignet, ça donne ceci. Je l'ai trouvé superbe. Voilà. Que j'ai payé 85 centimes. Donc à 85 centimes pour un si joli bracelet, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Pour l'été, il va être génial. Je le trouve vraiment très très beau. Il n'y en avait qu'un, sinon je vous en aurais pris un pour faire gagner un concours. Mais malheureusement, il n'y en avait qu'un. Et j'ai trouvé un deuxième petit bracelet. Donc, qui est plus dans les tons gris métal, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un lien de cuir avec plein de petites pièces de métal comme ça. Donc je vais vous le passer au poignet pour que vous voyez ce que ça donne. Attendez, si j'y arrive, hein, parce que là je suis en train de lutter un petit peu. Hop. Ouais, bon, faut que je me pose pour faire ça, donc je fais, voilà. Donc il est comme ceci. Normalement, si tout se met à plat, ça donne ça. Je le trouve assez sympa, pourquoi pas pour la saison et tout. Et je l'ai payé 99 centimes. Donc pareil, hein, pourquoi se priver à ce prix-là? Ensuite, j'ai acheté également, il y avait des pinceaux de la marque Nips. Alors, je ne connais pas du tout. Donc, je vais le déballer. Hop. Pourquoi je ne déballe pas avant? Donc, ils mettent pinceau à poudre. Donc, pourquoi pas pour le blush. Il allait un peu biseauté, j'avais même pas fait attention. Vous voyez, c'est un petit pinceau biseauté comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc, il n'a pas l'air de perdre de poils, il n'est pas trop dur. Et j'ai payé ça 1,50€. Donc, voilà, 1,50€, c'est un pinceau basique. Pour moi, ça me va très bien. Ensuite, j'ai également pris des cotons à démaquiller. Donc, celui-ci, il y en a 50, il était à 35 centimes. Et celui-ci, il y en a 80, la marque Gunry, il était à 90 centimes. Voilà, donc coton à démaquiller, toujours utile. J'ai trouvé également ceci, donc je ne sais pas du tout. À première vue, c'est la marque Attitude. J'ai trouvé le packaging vraiment craquant. Voilà, donc c'est un Tea Tree Concealer en teinte light medium. Voilà, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Donc c'est une petite chose comme ça. Voilà, et il y a c'est comme un rouge à lèvres, mais voilà, il est là, donc, pour cacher les rides ou les choses comme ça,
Ça sent le thé vert. Le titri. Le thé vert, ouais, le titri. L'arbre à thé. Le thé vert. Donc voilà, donc j'en ai pris un pour moi. Et puis comme je trouvais le packaging vraiment très sympa et que je ne connais pas du tout cette marque, eh ben j'en ai pris un également pour vous, pour faire gagner dans un prochain concours. Donc cela, ça j'ai payé ça 99 centimes, donc j'ai trouvé ça sympa de mettre ça dans un petit concours. En plus c'est pas très connu, je vais essayer de trouver un petit peu des infos sur la marque parce que je trouve ça assez sympa. Et j'ai trouvé également, attention, tintin, roulement de tambour, des produits de la marque Essence. Et oui, de la marque Essence dans mon os, j'étais Essence. Donc, ce sont des lingettes anti-spot cleansing whips. Et là, il y a tout écrit en anglais et je suis pas dans la merde. Donc, à première vue, d'après ce qu'ils mettent derrière, ce sont des lingettes démaquillantes qui nettoient en profondeur, enlèvent la saleté, démaquillent et hydratent la peau. Donc, j'ai payé ça 75 centimes. Donc, ça vaut pas le coup de s'en passer. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, voilà, donc ça c'était pour mon petit haul chez Noz. Et ensuite, je suis allée chez Yves Rocher. Et chez Yves Rocher, j'ai craqué sur une chose, c'est ceci. Donc c'est un gel douche muguet en fleurs. Voilà, comme ça. Et j'adore, mais alors, je surkiffe l'odeur du muguet. Mais c'est marrant dans celui que j'ai... Ça sentait très fort et là ça sent quasiment pas. Enfin bref, c'est pas grave. Je verrai bien en l'avant ce que ça donne, mais j'ai trouvé ça très sympa. Donc je l'ai payé, que je vous dise pas de bêtises. 3,50€ au lieu de 5,80€. Il est en promotion. Voilà, j'ai pris également ceci. Et Richard, si tu passes par là, c'est de ta faute. Parce que tu as montré que tu aimais beaucoup ce masque. Et du coup, j'ai craqué sur ce masque. Donc là, c'est des offres en ce moment. Donc, c'est dans un petit sac comme ça. Et c'est la beauté partie en ce moment sur Yves Rocher. Donc là, j'ai pris le gommage gourmand au noyau d'abricot. Et j'ai pris le masque aquatonique au pur jus de raisin pour une peau fraîche. Et dedans, je vais ouvrir hein, parce que de toute façon, c'est pour moi. Et dedans, il y a en plus, je crois que c'est un bandeau. Je vais dire ça tout de suite. Ouais, bon, c'est un petit bandeau super pratique pour faire les masques et tout. Donc, moi je dis pourquoi pas, c'est très très bien. Donc, je vais en même temps sentir. Donc là, c'est le gommage à l'abricot qui sent très très bon d'ailleurs. Ça sent bon l'abricot. Et celui-ci, ça sent très bon aussi, donc je testerai ça. En plus j'aime bien parce que c'est des petits pots, donc ça se finit plus facilement que les gros pots. Donc voilà, et j'ai payé ça de mémoire 7,95€. Donc voilà, 7,95€, en sachant que le gommage à l'abricot, normalement seul, fait 6,80€, donc déjà ça vaut le coup. Le bandeau fait 2,60€ et l'autre, le masque aquatonique, il fait 6,80€. Donc ça fait une belle promo quand même. Parce que 6 et 6, 12, 12, 13. Ouais, ça fait quasiment du 50%. Donc ça vaut extrêmement le coup. Et j'ai craqué pour. Enfin, j'ai craqué sur deux rouges à lèvres. Dont un que je vous montrerai pas parce que c'est pour mettre dans un swap. Et pour moi, j'ai craqué sur celui-ci. Alors, est-ce que je vais arriver à le dépacter pour vous le montrer? Hop. Donc, c'est ceux-là, les petits rouges à lèvres comme ça, qui sont à... normalement, 7 euros qui actuellement sont à moins 30%, donc je l'ai eu à 4,90€. Et c'est la couleur... ils ne le mettent pas là-dessus. C'est le 14, et sinon, sa couleur, c'est le framboise. Donc il est comme ceci, donc c'est vraiment un framboise, un très joli framboise. Et je vais vous faire un petit swatch. Il est comme ceci. Hop, voilà. Il est vraiment très très joli.
Alors, j'ai eu un moment de blanc parce que je suis en train de regarder ma main. La main où j'ai mis la fameuse crème. Si vous étiez avec moi avant, j'ai tourné une vidéo sur la boîte à beauté et il y avait le bobo émulsion que j'ai mis sur ma main et je me rends compte que je chope des boutons. Ça, c'est pas cool. Je me disais bien que ma peau me brûlait un petit peu et je me rends compte que je me chope plein de boutons. Donc ça, super génial. On verra bien. Je vous en dirai des nouvelles sur Facebook, c'est pour ceux qui me suivent. Enfin voilà, et la Dana m'a donné donc le muguet en fleurs en petit échantillon et puis le lifting bio, un soin anti-rides de jour, mais bon ça je n'utiliserai pas. Donc voilà, c'était mon petit haul chez Noz et chez Yves Rocher. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, salut!